Voilà ce qui devrait nous intéresser. La véritable folie des grandeurs. La folie de celui qui est grand et qui s'est humilié. Ils n'ont pas entendu ce que Jésus avait dit. Jacques et Jean, il semble qu'ils n'aient pas entendu Jésus. Jésus vient d'annoncer, nous l'avons pas lu, mais les versets précédents à la lecture de l'évangile, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux non-juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir. Et trois jours après, il ressuscitera. Ils n'ont pas entendu Jésus parce qu'ils avaient autre chose en tête. Ça nous arrive souvent de ne pas entendre les gens parce qu'on réfléchit à autre chose. Moi, ça m'arrive. Jésus fait une annonce pareille et Jacques et Jean viennent à lui. Et on se dit que Jacques et Jean, après les paroles de Jésus, viennent lui demander plus d'informations. Ils viennent lui demander quel est le but de tes souffrances, pourquoi il va t'arriver ça. Ou ils vont lui demander pourquoi tu nous racontes, pourquoi tu nous révèles ce qui va se passer à Jérusalem. Maintenant, Jacques et Jean ont d'autres préoccupations en tête. D'autres préoccupations qui pour eux sont beaucoup plus importantes que le destin de Jésus, ce qui va lui arriver à Jérusalem, beaucoup plus importantes que cette annonce incroyable de la résurrection de Jésus. Jésus n'était pas en train de parler de choses banales et courantes. Il n'était pas en train de discuter avec ses disciples la liste des courses qu'ils allaient faire le week-end prochain. Il parle bien de sa mort et de sa résurrection. Qu'est-ce que Jacques et Jean avaient en tête? Qu'est-ce qui fait qu'ils passent à côté de ce que Jésus est en train de révéler, ce que Jésus est en train de leur raconter? Ils sont préoccupés par la grandeur. La grandeur avant tout. La folie des grandeurs. Cependant, pour deux personnes qui ont envie d'être grands et qui ont soif de cette grandeur, ils ont une attitude un peu enfantine. Ils disent à Jésus, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Ça ressemble à un enfant qui veut manger les gâteaux que grand-mère vient de faire et qui s'approche de sa maman pour lui dire, « Maman, je peux choisir ce qu'on va dîner ce soir ?» Non, il ne pense pas aux légumes qui vont accompagner le plat principal, non, il veut manger des gâteaux. Il pense qu'il peut manipuler sa maman. Jacques et Jean, pareil. Ils ont quelque chose en tête et ils essayent de l'obtenir avec ruse au lieu de chercher à l'obtenir avec franchise. Alors Jésus, qui est beaucoup plus intelligent que cette maman qui n'a pas laissé que son fils mange des gâteaux pour dîner, au lieu de leur répondre « Oui, je vais vous donner ce que vous me demanderez », il leur demande quoi ? Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Alors Jacques et Jean déballent ce qu'ils avaient en tête. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. La grandeur. Ils veulent la grandeur la plus grande à laquelle un être humain puisse aspirer. Être le plus grand après Jésus. Et selon Jésus, cette place à droite et cette place à sa gauche sont déjà réservées pour quelqu'un. Peu importe de qui il s'agit, Jésus ne dit pas pour qui est réservée cette place. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? Les autres ont entendu. Ils ont entendu que Jésus parlait avec Jacques et Jean, ils ont entendu qu'il parlait à propos des places, de la grandeur. Ils ont entendu et ça ne leur a pas plu. Pourquoi ils se fâchent avec Jacques et Jean? Ils se fâchent
parce que Jacques et Jean veulent être les plus grands dans le royaume de Dieu, ou ils se fâchent parce que eux-mêmes, ils veulent être les plus grands dans le royaume de Dieu? Ils se fâchent avec Jacques et Jean parce que ça les dérange qu'ils étaient allés voir Jésus pour lui demander les meilleures places, ou ils se fâchent parce qu'ils sont allés plus vite et ils ont demandé en premier? Voyez ce que peut provoquer la folie des grandeurs. Jésus vient d'annoncer ses souffrances, vient d'annoncer sa mort et vient d'annoncer sa résurrection. Et qu'est-ce qu'on a? Un groupe de 12 disciples en train de se disputer entre eux qui est le plus grand et qui sera à la droite de Jésus et pourquoi tu as demandé cette place et pourquoi pas pour moi, et etc. Même Jacques et Jean n'étaient pas d'accord. Qui serait à sa droite et qui serait à sa gauche? Eux, ils sont allés voir Jésus, il lui dit, on veut pour nous deux les deux places, mais entre eux, c'était pas très clair non plus qui serait à la droite et qui serait à la gauche, parce qu'être à la droite, c'était plus important qu'être à la gauche. Voilà le problème de la grandeur. Nous voulons tous être grands. Nous voulons tous être revêtus d'un caractère spécial. Nous voulons tous cette grandeur quelque part. Et le problème, c'est pas la grandeur. Le problème, c'est nous, c'est notre attitude vis-à-vis de cette grandeur. Dans la recherche de la grandeur, on pense plus à soi qu'à l'autre. On se soucie plus pour nous-mêmes au détriment de l'autre. Pourquoi? Parce qu'on nous a enseigné que c'est la façon dont il faut agir pour obtenir et atteindre cette grandeur. Et regardez les grands du monde actuel. Combien ont une famille heureuse et bien constituée? Combien ont perdu leur famille? Regardez les puissants, les chefs, ceux qui ont entre leurs mains le destin de millions de personnes et qui prennent des décisions depuis un bureau très élégant quelque part. Ils ne pensent qu'à eux. Ils pensent à leur notoriété. Ils pensent à leur réélection, à leur positionnement politique. Regardez tous ceux qui envient la place des puissants et des grands. Ils sont prêts à tout pour obtenir cette même place. Et ceux qui l'ont obtenue, ils sont prêts à tout pour effacer de la mémoire son précédent et être encore plus grand. Tout ça au détriment de qui? Au détriment de quoi? Les programmes à la télé offrent des raccourcis à la gloire, à la grandeur. Les gens autour de nous, beaucoup d'entre eux, n'ont qu'un but: être le plus grand et le plus renommé dans leur domaine. Et l'Église et les chrétiens ne sont pas exemptés de cette recherche de la grandeur. Combien de pasteurs qui veulent atteindre cette notoriété, qu'on les appelle apôtres dans les autres églises, d'être les référents pour tous leurs collègues? Combien de chrétiens qui ont peur d'être déplacés par les nouveaux qui arrivent dans l'église ou les nouvelles générations qui prennent leur place? Ils ont peur qu'on leur fasse de l'ombre, peur de perdre leur place, leur grandeur. Qu'est-ce que nous devons faire avec cette grandeur, avec cette folie des grandeurs, pardon? La grandeur n'est pas mauvaise. Jésus ne parle pas contre la grandeur. D'ailleurs, il dit clairement qu'il y en aura un à sa droite et qu'il y en aura un à sa gauche, même s'il ne dit pas encore de qui il s'agit. Le problème n'est pas la grandeur, le problème c'est l'ambition démesurée de cette grandeur. Le problème c'est la façon dont on essaie d'obtenir cette grandeur. Et Jésus dit: si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous,
qu'il soit l'esclave de tous. Donc la grandeur n'est pas mauvaise. Il n'a pas dit, ne cherchez pas à être grand. Il a dit que la véritable grandeur se trouve dans le service et se trouve dans l'humilité. Celui qui souhaite être grand a déjà perdu. Il manque d'humilité. Et même s'il travaille et s'acharne pour faire des bonnes œuvres envers son prochain, il ne sera jamais grand. Celui qui ne cherche pas à être grand, celui qui seulement cherche le bien de son prochain, celui-là sera grand, sans le savoir, sans l'avoir cherché. Faisons un peu marche arrière à ce que j'ai dit. Aujourd'hui, je disais que la grandeur fait perdre de vue les choses importantes. Jacques et Jean sont passés à côté de cette annonce de Jésus à propos de ce qui allait lui arriver à Jérusalem. Leur pensée était tellement centrée sur leur grandeur qu'ils ne se sont pas rendus compte que Jésus parlait de la résurrection. Et nous aussi, on a été tellement absorbés par cette discussion autour de la grandeur dans l'évangile. On est tellement absorbés par les disciples en train de se disputer pour voir qui était le plus grand, penchés sur les paroles de Jésus qui parle à propos des grands dans ce monde ou les grands dans l'Église. Et on a failli passer à côté des paroles véritablement importantes de Jésus. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voilà ce qui devrait nous intéresser. La véritable folie des grandeurs. La folie de celui qui est grand et qui s'est humilié. Folie parce que le Fils de l'homme, le Créateur, est venu. Le Créateur se rendant créature, l'infiniment grand qui devient petit, celui qui revêt toute majesté, se rendant humble, se faisant une simple créature, un simple être humain, le plus grand qui n'ait jamais existé, celui qui ne sera jamais égalé en grandeur, celui qui possède toute autorité sur la terre et dans le ciel, Jésus, celui qu'on appelle le roi des rois, le seigneur des seigneurs, se rend présent pour nous. Celui qui mérite tous les honneurs, celui qui mérite que tous les êtres humains s'humilient devant lui, celui qui mérite que tous les grands de ce monde le servent et deviennent ses esclaves, Jésus-Christ, le Fils de l'homme, il va se laisser juger injustement par les autorités. Il va laisser qu'on se moque de lui, qu'on le ridiculise, qu'on le frappe. Il va laisser qu'on l'humilie publiquement, qu'on le fouette, qu'on le torture. Il va laisser qu'on le condamne injustement et il va se laisser crucifier. Celui qui mérite tous les honneurs s'abaisse à ce point afin de nous sauver. Jésus subit toutes ses souffrances parce qu'il n'a pas autre chose en tête que ton salut. Il n'y a rien de plus cher pour lui que ta vie, que sauver ta vie. Il laisse toute sa grandeur pour te rendre un service incroyable, pour te rendre un service que lui seul pouvait te rendre. Il a tellement envie de te donner ce qu'il a à te donner. Il tient tellement à toi qu'il donne sa vie pour libérer la tienne. Il prend tes offenses, il prend tes péchés et il en assume l'entière responsabilité devant le jugement divin. Il paye avec sa vie la rançon de la tienne. Voyez
la grandeur de celui qui est l'auteur d'un salut éternel. Il était déjà grand avant toute son œuvre. D'ailleurs, il est impossible pour Dieu de devenir plus grand de ce qu'il est, puisqu'il est immensément grand. Mais à nos yeux, pour nous, Jésus devient de plus en plus grand. Chaque fois qu'il me rassure avec son pardon, chaque fois qu'il me renouvelle avec sa grâce, dans mon cœur, Jésus devient plus grand. Et plus je le vois grand dans mon cœur, et plus je veux le servir. Plus je le vois grand dans son sacrifice, dans le don qu'il fait de lui-même pour moi, et plus je veux lui être reconnaissant, plus je veux m'incliner devant lui, plus je veux l'adorer, plus je médite la parole et plus je me rends compte de l'ampleur de son sacrifice, de son œuvre et de tout ce qu'il m'accorde, et moins je pense à ma propre grandeur. Plus je vois la grandeur de son amour envers moi, cet amour inconditionnel, cet amour infini, et plus je souhaite que les autres connaissent ce Sauveur, et plus je souhaite que d'autres viennent à lui pour être sauvés comme moi. Que la question de la grandeur ne nous voile pas la face, justement face aux choses qui sont réellement importantes. Et dans ce cas, la chose importante, Jésus. Peu importe la grandeur des autres, peu importe ma grandeur, si quelqu'un devient grand parmi les hommes, c'est grâce à Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Et celui qui est devenu grand parmi les hommes, par la grâce de Dieu, doit utiliser cette grandeur que Dieu lui a donnée pour le bien et pour la paix. Peu importe dans quel domaine il est grand, il doit utiliser cette grandeur qui lui a été donnée pour le bien et pour la paix. Si l'un de nous devient grand, tant mieux. Si l'un de nous devient grand par la grâce de Dieu, eh bien nous allons nous réjouir avec lui, parce que Dieu l'a rendu grand. Et si quelqu'un est grand parmi nous, nous allons rendre grâce à Dieu qui l'a rendu grand dans sa miséricorde. Mais laissons Dieu s'occuper de la grandeur de chacun, de la grandeur qu'il va donner à chacun dans son domaine. Nous, occupons-nous de notre relation avec Jésus. Occupons-nous de notre service. Occupons-nous de lui montrer notre gratitude avec nos actions. Essayons de lui plaire en pensée, en parole. Occupons-nous de garder vive en nous la flamme de la foi. Restons proches de Jésus parce qu'il est grand et ne nous fait pas d'ombre, sinon qu'il nous éclaire avec sa grandeur. Restons proches de celui qui restera toujours grand et qui nous fera vivre dans sa grandeur, dans sa gloire pour l'éternité. Restons avec Jésus. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs, garde vos pensées en Jésus-Christ, le grand des grands, l'auteur de votre salut, votre rédempteur, celui qui a donné sa vie en rançon pour vous accorder la vie éternelle. Amen.